saisi par l'Esprit de Dieu, avec pour ordre de mission la libération et la transformation des âmes. Chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, vous êtes sur le point d'écouter le major de sa génération, le révérend pasteur Paul Zank, apôtre des églises Chapelle de la Grâce au Cameroun et partout dans le monde. Amen. Que Dieu te bénisse. Nous bénissons Dieu pour ta présence ce soir. Il est digne d'être célébré, d'être adoré. Bénissons Dieu pour tous les programmes qui se déroulent dans ce lieu. Et nous croyons par la grâce de Dieu que le peuple de Dieu est béni et délivré au nom de Jésus. Ton amen est bizarre. J'ai envie de commencer un thème ce soir. Nous parlons de l'onction Tchalak, qui veut dire prospérer, qui veut dire réussir, qui veut dire avancer, qui veut dire s'en sortir. Lorsque tu vis dans l'onction Tchalak, tout ce que tu fais réussit. Et lorsque l'onction Tchalak agit dans la vie d'une personne, la stérilité est automatiquement détruite. C'est pour ça que ce soir nous allons commencer un programme pour révéler au moins trois dimensions de stérilité. Nous avons au moins six que nous avons répertoriées, mais nous parlerons dans ce programme d'au moins trois. Et si nous avons le temps, nous allons avancer dans les autres dimensions. Alléluia. Ouvre ta Bible dans le livre d'Exode, chapitre 23, verset 26. Jéhovah, le Dieu du ciel, il pense du bien de ma vie. Jéhovah, le Dieu du ciel, il pense du bien de ma vie. Jéhovah, le Dieu du ciel, il pense du bien de ma vie. Jéhovah, le Dieu du ciel, il pense du bien de ma vie. Le Dieu du ciel est... Jéhovah, le Dieu du ciel, pense du bien, il pense du bien de ma vie. Le Dieu du ciel est... Jéhovah, le Dieu du ciel, il pense du bien, il pense du bien de ma vie. Le Dieu du ciel est Jéhovah, le Dieu du ciel, il pense du bien, il pense du bien de ma vie. Le Dieu du ciel est Jéhovah, le Dieu du ciel, il pense du bien, il pense du bien de ma vie. Oh Jéhovah, tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Jéhovah, Jéhovah. Tu es élevé. Tu es élevé. Tu es le Dieu très chante haut. Chante Jéhovah. 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 Est-ce que tu peux chanter Jéhovah? Jéhovah. 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 Chantez Jéhovah. 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 Jéhovah,
chante Yahvé. Oh Yahvé. 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 Jéhovah-Hé, 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 Exode chapitre 23, à partir du verset 25 au verset 26. Église, tu dois aimer l'adoration. Quand tu es chez toi, tu dois adorer Dieu. À l'église, tu dois adorer Dieu. Dans ton lieu de service, tu adores Dieu. Dans tout ce que tu fais, pendant ton sommeil, tu adores Dieu. Parce que c'est ça que nous amènerons au ciel. C'est l'adoration et la louange qui se passe au ciel. Tout le reste que nous avons ici, nous laisserons cela sur la terre. Et lorsque nous serons dans la félicité céleste, c'est l'adoration et la louange qui sera notre nourriture. Donc une personne qui ne s'habitue pas à l'adoration n'a même pas encore cru. Exode chapitre 23, versets 25 et 26, nous lisons. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Je commence par poser une question à l'église ce soir. Est-ce que tu te constitues comme une personne qui sert Dieu? Beaucoup de personnes sont dans l'église, aiment se servir de Dieu pour une guérison, une délivrance, une bénédiction, mais ne pensent pas à servir Dieu. Servir Dieu, c'est de faire les choses au profit de Dieu. Une journée comme celle-ci qui est passée, qu'est-ce que tu as fait pour Dieu? Être à l'église, c'est venir chercher la guérison, la délivrance et c'est se servir de Dieu. Écouter la prédication pour être béni, pour être délivré, c'est se servir de Dieu. Mais prêcher l'évangile, c'est servir Dieu. Inviter une personne à l'église, c'est servir Dieu. Intercéder pour les autres, c'est servir Dieu. Faire des sacrifices pour les autres, c'est servir Dieu. Tout ce que tu fais à une personne dans le but de voir le Seigneur se glorifier, c'est ça, servir Dieu. Donc servir Dieu, c'est de faire les choses au profit de Dieu. Lorsque une semaine finit, une semaine passe, tu dois être capable de faire le bilan de ton service. Les gens pensent que le service de Dieu est réservé aux pasteurs. Alors qu'on sait qu'il y a beaucoup de pasteurs qui en réalité ne servent pas Dieu. Eux-mêmes se servent de Dieu pour avoir un peu d'argent. Est-ce que tu es capable à une fin de semaine de dire « J'ai servi Dieu cette semaine »
Le premier service de Dieu qu'il nous demande, c'est sauver les âmes. Tu peux chanter dans l'église, tu peux être au test à l'église, tu peux être dans la sécurité à l'église, mais tu ne sauves pas les âmes. C'est au sorti du culte qu'on sait si tu sais Dieu. Donc la mission de l'église, c'est de préparer les serviteurs. En d'autres termes, préparer les ouvriers. Une personne qui est ici depuis un mois, deux mois, et n'a jamais converti une personne, tu as besoin d'une réelle délivrance. Ça fait un mois, deux mois, trois mois, six mois que tu es ici et il n'y a personne qui est assis là parce que tu l'as invité. Il n'y a personne qui est assis là parce que tu l'as évangélisé. Ça veut dire que tu as un problème, tu ne sers pas Dieu. Et c'est ce genre de personnes qui sont dans l'église et qui se plaignent à un moment donné de dire « j'étais là-bas mais j'ai rien vu ». Dieu ne peut pas agir pleinement dans ta vie quand il ne voit pas son intérêt dans ta vie. Lorsque la fin de semaine arrive, tu dois faire le bilan. Aussi vrai qu'une année a 52 semaines, tu dois sauver au moins une personne par semaine. Au moins une personne par semaine. C'est-à-dire que tu dois participer activement au salut d'au moins une personne par semaine. Toutes les copines que tu as, tous les partenaires que tu as, tous les voisins que tu as, tous les membres de ta famille que tu as, combien parmi eux entendent parler de ton Jésus? Ne sais-tu pas que Jésus-Christ est révélé au monde de manière générale, mais il a une révélation qu'il t'a donnée. Il y a quelque chose qu'il a fait dans ta vie qui va impacter un frère, une sœur. L'évangile de Paul était pour les gentils, était pour les païens. Il y a un évangile que toi, tu dois prêcher par rapport à l'expérience que tu es censé avoir avec le Seigneur. Mais nous sommes dans l'église aujourd'hui et les gens se plaisent à être là aujourd'hui, demain, après demain, mais ils ne réalisent pas que leur vie n'avance pas, que leur ministère, je veux dire, que leur ministère n'avance pas. Ton ministère ne peut pas avancer si tu n'exerces pas. Ancien d'église, diacre à l'église, femme à l'église, homme à l'église, tu n'exerces pas ton ministère. Et on a l'habitude de dire qu'un muscle qui ne travaille pas s'atrophie. Quand Dieu dépose sa grâce, son onction, sa puissance dans ta vie, c'est pour que tu sèves. Je me rappelle en 2006, j'allais prêcher l'évangile dans les sites de rencontres sur internet. Et le samedi soir, après l'évangélisation globale du groupe qu'on dirigeait, je me retrouve à monter en rouge à Yaoundé, là où il y a les prostituées, pour aller prêcher l'évangile aux prostituées. Il y a un évangile, il y a une évangélisation qui doit être faite de manière globale, de manière générale, tout le monde qui prêche l'évangile, peut-être un samedi, mais il y a une évangélisation que tu dois faire seul. C'est-à-dire que tu fais le porte-à-porte seul. C'est ton bilan, tu travailles. Ce n'est pas une affaire pour le pasteur. Beaucoup de personnes pensent que les gens qui viennent à l'église, c'est pour le pasteur. Non. Il y a un bilan que tu es censé travailler. Et j'ai vu des gens me donner des bonnes raisons. Non, mes collègues, ils sont difficiles. Est-ce que tu sais que pour sauver une âme, tu dois sacrifier? Tu dois sacrifier ton temps dans la prière. Tu dois jeûner pour les âmes. Tu dois même faire des sacrifices financiers dans l'église pour qu'une âme soit sauvée. Tu prends combien de temps, église, pour sauver les âmes? Tu connais toute la vie que tes copines mènent, mais tu t'en fous. Bizarrement même, c'est elles qui t'influencent. Quand tu les vois, tu les envies, alors que tu sais très bien qu'elles sont dans la mort. Tu connais par quoi ta famille passe. Certains sont encore dans la tradition, dans la religion, dans l'idolâtrie. Tu ne pleures pas devant le Seigneur pour leur vie. Tu prends combien d'heures de prière par jour pour pleurer devant Dieu, pour dire « Seigneur, sauve ma famille ». Ne sais-tu pas que l'idolâtrie n'est pas un péché? C'est une abomination. Mentir, c'est un péché. Adorer les idoles, c'est une abomination. Je dis que voler, c'est un péché. Se mettre à genoux devant une statuette, c'est une abomination. Donc tu peux imaginer le nombre de membres de nos familles qui sont encore derrière les statuettes. Parce que nous, on n'a pas payé le prix pour qu'ils soient sauvés. Et la Bible dit que crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et ta famille. Et 1 Timothée 5 verset 8 dit, celui qui ne prend pas soin des siens, plus particulièrement ceux de sa famille, est plus pire qu'un infidèle. Il a déjà renié la foi. Donc tu pries à l'église pour chercher ta délivrance, ta guérison, ta bénédiction. Mais Dieu te considère comme un infidèle. Pourquoi? Parce que tu ne prends pas soin dans la prière, dans les jeûnes, dans les sacrifices de ceux de ta famille.
plus grave encore pour les frères qui ont été à l'église. Combien de membres de la commande ne viennent plus à l'église? Ça ne te dit rien. Combien de frères dans la sécurité ne viennent plus à l'église? Ça ne te dit rien. Combien de frères dans le groupe des anciens ne viennent plus à l'église? Ça ne te dit rien. La Bible dit que Dieu pose la question à Caïn, où est ton frère? Et Caïn répond à Dieu avec arrogance, mépris, insolence. Suis-je le gardien de mon frère? Nous sommes venus ici une place. Ne sais-tu pas que la sœur avec qui tu dansais souvent ici là, elle est fléchée par le diable, elle est fléchée par les problèmes, elle est fléchée par les oppressions. Elle a besoin de ton encouragement, elle a besoin de ta prière pour revenir à l'église, mais tu t'en fous. Plusieurs viennent à l'église ou bien pourront encore venir à l'église grâce à ton concours, ta prière, ton conseil, ta motivation, ton encouragement, ton argent que tu pourras lui donner pour payer le taxi. Plusieurs ne sont pas arrivés soit parce qu'ils n'ont pas payé le taxi, mais toi tu as l'argent. Il y a même d'autres personnes, quand le culte est fini, même pour saluer quelqu'un, ce n'est pas son affaire. C'est-à-dire que le mépris, l'esprit de suffisance, on ne salue pas les gens. Vous me servirez. Tu sers Dieu comment? Puisque je parle de la stérilité, tu ne peux pas détruire la stérilité dans ta vie si tu ne sers pas Dieu. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Nous devons avoir une église des gens qui servent Dieu avec amour. Servir Dieu, c'est donner sa maison pour Dieu. Ne sais-tu pas que tu peux venir voir les pasteurs, tu dis, j'offre ma maison pour commencer une cellule dans ma maison. On ne peut pas venir faire une cellule dans ta maison pour sauver les membres de ton quartier, les païens de ton quartier. Tu peux venir, tu vois les hommes de Dieu, tu dis que j'aimerais que ce samedi, que vous venez prier dans ma maison. Je vais inviter tous mes voisins. Vous ne savez pas ce que vous faites. Il y a des guérisons qui s'obtiennent dans vos vies juste parce que vous avez pris la peine pour un inconnu. Jésus dit que toutes les fois vous allez faire ces choses à l'un de ses plus petits, sachez que c'est à moi que vous avez fait ces choses. Prenez de la peine pour les autres églises. Nous sommes dans la fin des temps et c'est bizarrement à cette période que les gens sont de plus en plus égoïstes dans les derniers temps, dit l'apôtre Paul. Les 2 Timothée 3, je ne sais pas. Dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles où les gens seront égoïstes, fanfarons, amis de l'argent. Tu peux nous organiser un programme le samedi chez toi. Tu prépares la nourriture comme les Camerounais aiment la nourriture. Tu dis à tes voisins qu'il y aura la nourriture. Mais avant la nourriture, je vais inviter mes pasteurs pour qu'ils viennent prier pour nous. Et on arrive là-bas, on prêche l'évangile aux voisins. Ils donnent leur vie au Seigneur. Ils confessent Jésus. Tu ne sais pas ce que... La Bible dit qu'il y a de la joie. Il y a de la joie au ciel pour une âme qui se répand. Une seule âme. C'est-à-dire que tu utilises ta maison pour que Dieu sauve une âme. Il y a des prières, Seigneur, protège mes enfants. Ça n'a pas la même valeur que Seigneur, sauve une âme. Quand tu dis Seigneur, sauve une âme, tes enfants seront protégés. Quand tu dis Seigneur, sauve une âme, ta famille sera libérée. Il y a des calculs que vous devez faire dans l'église. Et vous devez comprendre qu'en réalité, vous échouez, vous êtes stérile, tout simplement parce qu'on n'a pas compris comment Dieu fonctionne. Dieu bénit encore, Dieu ouvre encore les portes. 2 Timothée chapitre 3, j'ai bien dit 2 Timothée chapitre 3. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes. Amis de l'argent. Les hommes seront égoïstes. Les femmes dans les églises seront égoïstes. Tes plaintes sont liées au fait qu'il y a un problème dans ton corps. Mais tu ne te plains pas de savoir que tout ton quartier est dans le noir. La lumière est dans un quartier, dans une famille, quand les gens ont cru. Mais les gens sont dans les ténèbres, en train d'adorer les idoles, en train de poursuivre les fétiches. Et toi, tu ne pleures pas dans la présence de Dieu. J'ai même une question à te poser. Tu jeûnes combien de fois par semaine? C'est-à-dire, les chrétiens de maintenant, si on n'annonce pas le jeûne pour tuer le sorcier, ils ne jeûnent pas. Est-ce que tu sais que le premier sorcier de ta vie, c'est toi-même? Ça veut dire que s'il faut même commencer par tuer quelqu'un, c'est même toi d'abord qui dois mourir.
parce que tu déranges. Dans les derniers jours, il y aura des moments difficiles. Les gens seront égoïstes, amis de l'argent. Si vous voulez dominer l'argent, vous devez sous-estimer l'argent. Mais si vous faites de l'argent votre Dieu, c'est-à-dire quand tu as 10 000, pour casser le 10 000 là, tu réfléchis. Et si c'est alors le billet neuf, on ne va pas vivre. Quand quelqu'un dit billet de 509, on ne respire pas. Pour aller à la boutique, il donne au boutique, il reprend. Il donne au boutique, il reprend. C'est 500 que tu déifies comme ça. Ne sais-tu pas que tu peux payer le taxi à 3 personnes pour venir à l'église? Et ce que tu fais là, on appelle ça semence. Et tu ne sais pas. Tu peux semer argent de taxi dans la vie d'une personne. Dieu te fait récolter une guérison d'un cancer. Sans prière. Il y a des problèmes que je ne peux plus avoir dans ma vie parce que je passe ma vie à s'aimer dans la vie des autres. Pour moi, c'est un plaisir de me retrouver en train de s'aimer dans la vie des gens. Malade ou pas, problème ou pas, programme ou pas. Les gens seront amis de l'argent. Fanfaron veut dire ils se vantent. Orgueilleux, ta version dit hautain. Et ta version dit blasphémateur, ma version dit ils insulteront Dieu. Insulter Dieu veut dire je ne peux pas parler de Jésus aux gens. Je n'ai pas les mots. Prêcher l'évangile, ce n'est pas réciter les versets bibliques. Prêcher l'évangile, c'est de répandre son cœur et de dire à quelqu'un Jésus est bon. C'est pour ça que nous qui n'avons pas fait des super études théologiques, on a plus d'impact que les docteurs en théologie. Parce que la théologie ne répand pas, n'ouvre pas le cœur. Mais c'est l'expérience qu'on a avec le Seigneur qui nous fait avoir de l'impact lorsque nous prêchons. Donc le meilleur prédicateur de l'évangile n'est pas celui qui récite la Bible de A à Z. Le bon prédicateur de l'évangile, c'est celui qui dit au monde ce que Jésus a fait pour lui. C'est celui qui ouvre son cœur aux autres et qui présente ce Jésus qui est bon. Vous me servirez. Ça peut être de la grâce, servir Dieu. Personne de nous ne sait s'il verra l'année prochaine. Mais la chose qui est sûre et certaine, ou bien la chose qui est normale, c'est que tu dois servir Dieu aujourd'hui. Profite du moment où tu es sur la moto pour dire au motoman, Jésus t'aime. Même si là, il ne croit pas, c'est une semence. Profite du moment où tu es devant la femme qui te vend la tomate pour lui dire, Jésus t'aime. Même si là, il te dit, je n'aime pas vos affaires des églises, la parole est une semence. Paul sème, Apollos peut arroser et Dieu fera croître. Ne sois pas indifférent quand on dit sauver les âmes. Une personne qui est sauvée pense au salut des autres. Mais une personne qui est indifférente lorsqu'on parle du salut des autres n'est pas sauvée. L'un des signes qui prouve que quelqu'un n'a pas cru, c'est qu'il ne pense pas à ce que les autres croient aussi. Il y a des gens, pendant que nous parlons ici, ils sont sur le point de se suicider parce que les ponts ont dépassé les limites. Et la seule personne qui peut changer sa condition, c'est le Jésus que tu connais. C'est le Jésus que tu connais. Mais tu retiens ta bouche. Paul a dit à Timothée, en toute occasion, favorable ou non, insiste. Rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels. Tu peux lire ça chez toi. Dieu dit, vous me servirez. Dans Exode, revenons dans Exode chapitre 23. Ce n'est pas mon message ce soir, c'est une parenthèse. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Est-ce que tu comprends que Dieu bénit ton pain si tu le sais. Donc, pour que Dieu bénisse ton pain, tu dois le servir.
Pour que Dieu bénisse ton pain, tu dois le servir. Donc si tu ne sers pas Dieu, tu auras le pain sans être béni. Tu auras le pain qui n'est pas béni. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Il n'y aura, après la bénédiction de Dieu dans ton pays, je veux parler doucement ce soir, il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte et ni femme stérile. Dans ce verset, il y a deux formes de stérilité qui sont mentionnées. Dans la version hébreu, avorte, les femmes qui avortent sont des femmes stériles. Et le mot hébreu qui parle d'avortement, c'est shakol. Et le mot hébreu dans le deuxième mot stérile, c'est akar. Il y a deux stérilités là qui sont mentionnées. Parce que la, en fin des comptes, la première stérilité, c'est la stérilité akar, A-Q-A-R, qui est cette stérilité qui fait en sorte qu'on n'a même pas la capacité de concevoir. La deuxième stérilité, qui est la stérilité shakol, c'est la stérilité qui fait en sorte que tu conçoives, mais ça sort. Parce qu'en fin de compte, vous deux, vous êtes stériles parce qu'on n'avait pas d'enfant. C'est-à-dire celui qui ne conçoit pas et celui qui conçoit et ça sort n'a pas d'enfant en réalité. Ou bien celui qui conçoit et accouche et l'enfant meurt est quand même stérile parce qu'en fin de compte, il n'a pas d'enfant. Alors nous allons commencer un programme pour parler de la stérilité. Et lorsque je parle de la stérilité, il y a plusieurs formes de stérilité. La première stérilité dont on fait allusion ici, c'est la stérilité physique. Une personne qui est incapable de concevoir, une personne qui est incapable de procréer, une personne qui est incapable de reproduire. Et les autres stérilités, on parlera de la stérilité spirituelle. Je vais déjà dire d'emblée qu'une personne stérile, c'est une personne inapte à la reproduction. Une personne stérile, c'est une personne inapte à la reproduction. Je n'ai pas dit inapte à la production, j'ai dit inapte à la reproduction. Parce que toute personne qui accouche n'est pas forcément féconde. Plusieurs personnes, dans leur stérilité, ont eu recours au marabout. Et ce que le marabout a mis dans son ventre, c'était un démon en chair. C'était un petit serpent. Et la personne a accouché, mais la personne ne s'est pas reproduite. L'onction de reproduction, c'est la capacité de produire une copie de ce qui existait déjà. Lorsqu'on parle de reproduction, ça veut dire qu'il y a une production et elle est juste dupliquée. Donc une personne qui accouche, une personne qui a une entreprise, une personne qui a un ministère, une personne qui a de l'argent et que ce que cette personne a n'est pas une reproduction de Christ, alors cette personne est stérile. On reconnaît qu'on a une notion de fécondité quand on peut reproduire Christ au travers de tout ce qu'on a, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on vit. Donc une personne stérile, c'est une personne inapte à la reproduction. Donc si tu as une entreprise qui ne peut pas se multiplier, tu es stérile. Si tu as un enfant qui ne peut pas te produire d'autres enfants, tu es stérile. Si tu as de l'argent qui ne peut pas se multiplier, alors tu es stérile. Si tu as une affaire qui ne peut pas tourner une autre affaire, alors tu es stérile dans les affaires. Si tu as des relations qui ne t'apportent rien, alors tu es stérile dans tes relations. Donc beaucoup de personnes te diront, moi je connais les grands, mais ces grands ne t'apportent rien. Tu es stérile dans ton relationnel. Moi, je travaille, j'ai un salaire, mais je n'ai pas de promotion. Tu es stérile professionnellement. Et j'avais dit, lorsqu'on avait prêché ce thème il y a 2 ans, que la première chose que Dieu bénit, c'est la première chose que le diable combat. La première chose que Dieu donne, c'est la première chose que le diable veut arracher. Tout le monde sur la terre est appelé à être béni par quelque chose précis. Tout le monde sur la terre, Dieu passera par un domaine de sa vie pour lui faire du bien. Et c'est par ce domaine que le diable passe aussi pour essayer de détruire la personne. Et lorsque je parlais hier à Yaoundé, j'expliquais quelque chose. Il y a des gens pour qu'ils réussissent dans leur vie, il faut qu'ils aient beaucoup de diplômes jusqu'à l'agrégation. C'est-à-dire que lui, Dieu, son domaine de bénédiction, c'est l'école. Il y a des gens pour qu'ils réussissent dans la vie, Dieu leur a donné la beauté.
Donc c'est sa beauté qui va lui faire arriver, qui va la faire arriver. C'est sa beauté qui va faire en sorte qu'elle rencontre les grands. C'est sa beauté qui va faire en sorte qu'il soit élevé. C'est sa beauté qui va lui donner beaucoup d'ouverture. Donc pendant, même s'il a les diplômes, ce ne sont pas ses diplômes qui vont le faire arriver, mais c'est sa beauté. Il y a des gens, Dieu leur a donné l'éloquence. C'est-à-dire quand elle parle comme ça, tout le monde veut seulement l'écouter jusqu'à demain. Si, même si elle a les diplômes, il a l'argent, il ne va pas réussir avec l'argent ou bien avec les diplômes. Ce qui le poussera à la réussite, c'est son éloquence. Chacun de nous a quelque chose que Dieu a déposé dans sa vie. Et c'est avec cette chose que Dieu va te faire réussir. La chose que Dieu dépose dans ta vie est appelée la semence. Mais une personne stérile ne fera rien de la semence. La beauté que Dieu te donne est une semence. L'intelligence qu'il te donne est une semence. Le relationnel qu'il te donne est une semence. Les connexions qu'il te donne, ce sont des semences. Mais si tu es stérile, ça ne t'apportera rien. L'onction est une semence. Ce n'est pas l'onction qu'il n'y a pas dans cette église. Mais qu'est-ce qu'on fait de l'onction qui coule dans cette église? Rien. Pourquoi? Parce qu'on est des personnes stériles. Quand tu n'es pas stérile, tu reçois l'onction, cette onction produit les miracles en toi. Quand tu n'es pas stérile, tu reçois l'onction, cette onction fait de toi un prophète. Quand tu n'es pas stérile, tu reçois l'onction, cette onction fait de toi un homme d'affaires. Quand tu n'es pas stérile, tu reçois l'onction, cette onction te fait voyager. Quand tu n'es pas stérile, tu reçois l'onction, cette onction t'apporte de la guérison. Mais quand tu es stérile, la semence appelée l'onction arrive dans ta vie et elle meurt. Donc le tout n'est pas de recevoir la semence, mais qu'est-ce qui va accueillir la semence? Qu'est-ce qui va entretenir la semence? Qu'est-ce qui va pousser à la semence à se multiplier? Donc beaucoup de gens sont dans les églises, mais ils ne sont pas promptes à recevoir favorablement la semence pour que cette semence grandisse. 3 graines de maïs accueillies sur une bonne terre finiront par 2 ou 3 épis de maïs. Et les épis de maïs supplient le nombre de graines qui est à l'intérieur. 3 graines d'arachide, pareil. Quelques gousses, quelques fèves de cacao te donneront beaucoup de cabos de cacao. Si la terre sur laquelle on a planté ce cacao est une terre fertile, est une terre féconde. Donc le tout n'est pas de dire, Seigneur, je vais écouter ta parole. Seigneur, je veux la prophétie. Seigneur, je veux l'onction. Le tout est de savoir, est-ce que tu es une terre féconde pour recevoir la semence. Est-ce que tu sais que même dans les loges, tout ce qui entre ne progresse pas? Pour progresser facilement et rapidement dans les loges, il faut être trop méchant. Les gentils qui entrent dans les loges restent sur place. Pour progresser rapidement dans l'église, il faut avoir trop d'amour. Pour progresser rapidement chez le diable, il faut avoir trop de haine. Donc l'une des choses qui fait en sorte que les gens sont stériles dans l'église, c'est qu'ils sont remplis de ce que Dieu n'a pas donné. La jalousie, la médisance, les racontages, les congossas, des choses inutiles, c'est ça qui te rendra stérile. Les choses que Dieu ne t'a pas donné, les choses que Dieu n'a pas donné comme ingrédient ou bien comme... Les choses qu'on met dans la terre pour que la terre soit fertile. Les engrais. L'amour est le meilleur engrais que Dieu nous a donné pour nous rendre féconds. L'une des choses qui rend des gens stériles, c'est le bavardage inutile. La langue est un petit membre qui se vante de grandes choses. C'est par ta bouche que tu seras justifié, c'est par ta parole que tu seras condamné. Des petites choses que vous sous-estimez, vous négligez, c'est des choses-là qui vont vous finir. Les petits renards ont consumé de grandes vignes. Des gens qui à l'église confessent qu'ils sont bénis, mais au quartier confessent que leur vie n'avance pas. Des gens qui devant l'homme de Dieu disent « Amen » quand on dit « Tu es béni » mais au quartier disent « Depuis que je vais là-bas, je n'ai même encore rien vu. » Alors que la foi est une ferme en suivant des choses qu'on espère. La démonstration des choses qu'on ne voit pas. Comment est-ce qu'on peut te démontrer ce que tu ne vois pas? Comment peut-il avoir l'assurance sur des choses invisibles qui ne sont pas encore arrivées? Mais on te dit d'avoir l'assurance. «
Les premières choses que Dieu nous donne sont les premières choses que le diable veut détruire. Et tu lis dans Genèse chapitre 1, lorsque Dieu dit « Faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance », la première chose que Dieu fait, après avoir créé l'homme et la femme, Dieu le bénit en disant « Soyez féconds ». La première bénédiction de Dieu sur l'homme, c'est « Soyez féconds ». La première attaque du diable sur l'homme, c'est « Soyez stérile ». Donc s'il y a quelque chose que le diable fait premièrement dans la vie d'une personne, c'est stérilité financière, stérilité spirituelle, stérilité matérielle, stérilité relationnelle, stérilité émotionnelle, stérilité intellectuelle, stérilité dans tous les domaines. Il y a des gens ici qui te diront, papa, moi j'ai cru il y a 15 ans. Tu as cru à 15 ans, tu es assis là sur place, là, tu n'as aucun don spirituel, aucune puissance, aucun don, aucun talent. Tu sais pourquoi? Le diable t'a laissé avoir la semence. Mais la semence est venue rien trouver. Ou bien deuxièmement, la semence est venue, elle a grandi quand tu devais commencer à prophétiser, avortement, chacol. Il y a des gens ici, en réalité, madame, tu sais que je sais que ta vie spirituelle, là, en termes de prière, à une époque, c'était le haya haya. Mais aujourd'hui, tu es vide. Si tu ne te lèves pas pour dire trop, c'est trop, c'est ton problème. Les églises n'avancent pas parce que les gens continuent et demeurent des bébés spirituels. Soyons sérieux. Si avant d'être ici, tu as été dans une église, tu avais cru là-bas, tu as écouté la parole là-bas, tu as ressenti un peu la chair de poule du Saint-Esprit là-bas, ici là, même si on cherche toujours la délivrance, ici là, tu dois être capable de faire quelque chose pour le Seigneur. 15 ans de foi, tu es pareil. 10 ans de foi, tu es pareil. Et tu ne t'énerves pas. Je ne te parle pas de l'orgueil. Je te parle de la performance. J'ai donné ce témoignage à Yaoundé. En 2015, je reçois une femme à l'église. C'est les gens des églises, elle avait toujours les habillements bizarres, les coiffures bizarres, les trucs bizarres. Elle vient là, tu sens les problèmes sur le corps de la femme. Donc elle sent les problèmes à distance. Quand elle tord sa bouche, tu comprends que Dieu la merci, avant même de commencer à parler, elle a d'abord tordu la bouche. Façon, elle s'assoit sur la chaise. Donc, elle s'est affalée sur la chaise. Que ça me dit que mon père, mieux je meurs ici. Je la regarde, elle me regarde. Je dis, tu me connais. Elle me dit, je dis, tu me connais. Elle me dit, oui. Je dis, tu fais quoi ici? En 2005, on cherchait Dieu ensemble. 2015, tu es toujours en train de chercher Dieu comme ça là. Je dis, tu n'es pas sérieuse. 10 ans plus tard, je refuse de partir à Yaoundé faire 2 semaines et revenir ici voir les mêmes problèmes. Sont sérieux. Sont sérieux. Il y a un temps qu'il faut se fâcher pour dire le temps pour moi d'acheter la voiture est arrivé. Ah, toi, tu dis amen comme si tu t'amusais. Amen. Le temps pour moi de sortir de la location est arrivé. Si tu ne t'énerves pas, tu ne quitteras pas la location. Si tu ne t'énerves pas, tu ne quitteras pas le concubinage. Si tu ne t'énerves pas, tu ne quitteras pas la pauvreté. Il y a des gens, jusqu'à présent, il est même marié, mais sa mère continue à le dominer, à le commander. Je vais alors faire comment? La liberté ne se négocie pas. Si un homme est marié et sa mère le commande, c'est sa mère qui est le mari de sa femme. Il y a des gens qui sont bizarres. Hein? C'est pour ça qu'elle est pas mon Dieu. Ma mère est ma mère, mais elle est limite à ne pas franchir. Elle est limite à ne pas franchir. Ne vous amusez pas avec vos vies comme ça. Alors lorsqu'on parle de stérilité, je vais bien entrer dans les détails le dimanche. La première stérilité que nous citons, c'est la stérilité physique. Nous l'avons dit un peu comme Anne, qui n'arrivait pas à concevoir. Mais après, par la grâce de Dieu, elle a pu concevoir. La deuxième stérilité, c'est la stérilité spirituelle.
cette capacité à ne pas produire les fruits de manière spirituelle. Et j'ai expliqué ici un jour que Dieu bénit ceux qui sont loyaux, ceux qui sont fidèles et ceux qui sont féconds. La loyauté et la fidélité ne suffisent pas dans l'église. La preuve, parabole des talents. Les gars qui ont reçu les talents, tous étaient fidèles, tous étaient loyaux et un était stérile, il a été condamné. Celui qui a reçu 5 a multiplié, celui qui a reçu 2 a multiplié, celui qui a reçu 1 n'a pas multiplié. Manque de fécondité, il a été châtié. Un enfant de Dieu qui croit et qui, après un certain temps, n'a pas les fruits, il sera châtié par le maître. La Bible dit, parlant de fruits, je crois dans Jean chapitre 15, verset 8 peut-être. Jean chapitre 15, je crois, si je ne me trompe pas. La Bible dit que vous devez porter du fruit. Jean chapitre 15, verset 8. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Si vous portez beaucoup de fruits, le Père sera glorifié. En d'autres termes, si vous ne portez pas beaucoup de fruits, le Père sera humilié. Le fait que tu ne portes pas le fruit humilie le Père. Le fait que tu ne portes pas, parce que le contraire, l'opposé de glorifier, c'est humilier. Donc tu peux imaginer que dans ton entourage, dans ta famille, le Seigneur est humilié. Parce qu'on dit depuis qu'elle prie dans les églises là, et puis quoi? Depuis qu'elle chante là, elle nous casse les oreilles ici avec les prières, avec les jeûnes, avec le bruit. Chaque jour église, matin église, le soir église, lundi église, dimanche église, janvier église, décembre église. Et puis quoi? Le Père est humilié à cause de ta stérilité. J'ai envie de parler comme ça ce soir pour que quelqu'un s'énerve. Si tu ne t'énerves pas, rien ne va changer. Pour que l'avion décolle, l'avion l'est posé, tu vois le gros truc là, c'est posé là tranquillement. Tu te demandes, la fesse va décoller comment? Pour que l'avion décolle, ça s'énerve. Tu entends les bruits des réacteurs qui changent. L'avion vient de s'énerver. Un truc qui pèse plus que la voiture décolle, mais la voiture est sur place parce que l'avion s'énerve plus que la voiture. Donc tu peux être ici avec ta femme, tu t'énerves plus que ta femme, demain c'est toi qui commences à prophétiser ici. Tu peux être ici avec ta soeur, tu t'énerves plus que ta soeur, demain c'est toi qui commences à faire les miracles ici. Yes. Je veux qu'après ce programme, quelqu'un s'énerve et qu'il porte du fruit dans son ministère. Yes. Et qu'il porte du fruit dans son ministère. Yes. Et qu'il porte du fruit dans ses affaires. Amen. Et qu'il porte du fruit dans ses relations. Amen. Et qu'il porte du fruit dans ses finances. Amen. Je prie pour quelqu'un ce soir. Yes. Après ce programme, yes, tu porteras du fruit. Amen. Et le Père sera glorifié. Amen. Financièrement, tu porteras du fruit. Yes. Dans tes affaires, tu porteras du fruit. Yes. Dans tes relations, tu porteras du fruit. Amen. Je dis dans ton ministère, tu porteras du fruit. Yes. Donne-moi un amen de bien. Amen. À cette église. Moi, je m'énerve plus quand mon combat. C'est les combats qui sont ma nourriture. Je n'aime pas qu'on m'apprécie. Ceux qui me connaissent le savent. Quand tu m'apprécies, ça me décourage. Parce que je me dis, si tu me mets sur un piédestal, oh là, je vais faire comment pour me maintenir là-bas. Donc, je n'aime pas les appréciations. J'aime les insultes, j'aime les combats. C'est là que je travaille, je ne dors pas. Donc, plus on me dit que tu ne vas pas réussir, plus je veux réussir. C'est une culture que j'ai parce que j'ai fait une série, la C, où on faisait le défi en maths et en physique. Donc, le seul fait que je suis endormi à 2 heures du matin, je fais un cauchemar que mes camarades sont en train d'apprendre. Je me réveille en sursaut. Même s'il est sommeil, je mets mes pieds dans la glace. Donc j'ai grandi avec cet esprit de concurrence. On appelait ça la sainte concurrence. Et plus on faisait cette concurrence, plus on cherchait à être les meilleurs. Et ça fait que quand on faisait la première C, sur 120 élèves, plus de 100 ont réussi. Parce qu'on faisait le défi. Quand tu arrivais dans notre salle de classe, à la pause, il n'y a pas le bruit, tout le monde est dans son cahier. Mais dans la salle d'à côté, c'était les bavards. Le secret du succès réside dans la capacité à s'énerver. Quand tu dis trop, c'est trop. Trop, c'est trop. En dehors des prières, il y a des attitudes que je dois adopter. J'en parlerai dimanche. Parce que je vais entrer dans la profondeur de la stérilité relationnelle. Des gens qui connaissent les personnes, des personnalités, des gens qui entrent dans vos vies, qui peuvent vous faire du bien, mais ils ne font rien parce que vous vous êtes énervé. La Bible parlant du juge inique, la veuve,
Le juge était méchant, parce que juge unique veut dire juge méchant. Mais parce qu'elle a insisté. Il y a des gens ici, tu chômes parce que tu veux. Ce n'est pas diplôme qu'ils ont le travail, c'est relation qu'ils ont le travail. Et quand relation ne te cherche pas, toi tu peux chercher les relations. Tu as vu que quand on te dit qu'il force le contact. Un jour, j'étais en train de rouler, ça fait 2-3 semaines du côté de Bastos, et il y avait les embouteillages, et un monsieur est arrivé, il me dit, baisse la vitre. Il me dit, mais comment mon frère, je sors de Paris, mais là, ça fait une semaine, je suis là, mais ça fait du début que je suis là, je t'ai pas vu. Il m'a raconté un baratin pendant 5 minutes, je ne le connaissais pas. Le regard mentait. Quand quelqu'un veut le contact, il te reconnaît, mais toi, tu ne le connais pas. Vous finissez là, l'amitié commence. Mais toi, tu diras que, en fait, si je lui parle, il va penser que je veux le draguer. S'il pense mon problème dedans, c'est quoi? Si j'insiste pour voir le pasteur, si j'insiste, il va penser que je le dérange. Ma soeur, si tu as les problèmes, dérange. Que ceux qui n'ont pas les problèmes ne dérangent pas les pasteurs. Si tu as les problèmes, il faut déranger le pasteur. Yes. Si tu as les problèmes, il faut déranger le pasteur. Yes. Jusqu'à ce que tu aies les solutions. Amen. Tu viens à l'église, tu es suffisant. Moi, je culte fini. Moi, je rentre. J'aime pas trop le mélange. Tu vas rester comme ça. Moi, j'aime pas trop forcer. Mon ami, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à ce jour, le royaume des cieux est forcé. La bénédiction est forcée. L'élévation est forcée. Le mariage est forcée. Le voyage est forcé. Quand j'ai commencé les affaires, c'était dur. Tu sais comment moi je commence à vendre les voitures? C'est dans les causeries comme ça au ministère des Finances avec un ami. Il me dit, est-ce que tu sais que au Bénin, est-ce que tu sais que... Je dis pardon. Pour la seule question que je lui pose, l'ambassade du Bénin est où? Il me dit non, il y a le consul ici, c'est du côté des éleveurs. Je suis parti. J'ai pris mon visa, je suis parti chercher comment aller acheter mes voitures. Juste une information m'a suffi pour aller chercher la route du Bénin. Et c'est comme ça que j'ai fini à Dubaï aussi, j'ai commencé à acheter les voitures là-bas. Amuse-toi avec ta vie. Tu es là, tu regardes, tu dis, ouais, s'il y avait l'argent. Pas besoin d'argent, tu as besoin de te fâcher. Tu souffres parce que tu veux, tu aimes la souffrance. Tu galères parce que tu veux, tu aimes la galère. Depuis 2007, je n'ai plus jamais eu le problème d'argent. Parce que je m'étais énervé. Et je disais à quelqu'un hier ou quand là que je n'ai plus, depuis que j'ai eu ma première voiture, je ne suis jamais tombé en panne sèche. Je n'ai jamais mis 2 000 de carburant. Quand tu décides de réussir, tu réussis. Amen. Jésus, il y a eu trop de mépris en ce qui le concerne. Hein. Quand on traite quelqu'un de fils de charpentier, c'est le mépris. Hein. Quand Jésus partait au désert, là, c'était pas pour s'amuser. Hein. Il était énervé. Et qu'est-ce qu'il a encore plus énervé? C'est l'arrivée du diable. Donc je jeûne, tu viens. Je prie, tu viens. Quand Jésus est sorti du désert, jusqu'à la fin de son ministère, il n'a plus jamais rencontré le diable. Parce qu'en sortant du diable, il est devenu super guerrier. Il y a une qualité de démon qui vient chaque nuit dans tes rêves parce que tu es léger. Je ne connais pas la dernière fois que j'ai fait les couches de nuit. Parce que ce n'est pas mon genre de combat. J'ai d'autres combats plus sérieux. Je veux les milliards. Le mari de nuit vient te perturber parce que c'est ton camarade de classe. Oui. Donc plus tu es en sixième, plus tu auras les combats de sixième. Le cuisinier de nuit vient te forcer à manger le poulet. Je n'ai que ça à faire. Je veux les combats plus sérieux que manger le poulet dans les rêves. Donc tu as les mêmes combats depuis 2, depuis 3 ans parce que tu veux. Non, c'est ça, il faut te fâcher, mon ami. On va arrêter ce soir, on va prier. Lève-toi, on va prier. Je vais parler dimanche. La seule prière qu'on va faire ce soir, c'est que tu dois t'énerver. Tout domaine de ta vie qui est stérile doit changer. Amen. Toute stérilité dans tes affaires doit être brisée. Amen. Toute stérilité dans tes relations doit être brisée. Amen. Toute stérilité dans tes projets doit être brisée. Amen. Dis Père au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus. Que la stérilité soit brisée dans ma vie. Que la stérilité soit...
Stérilité spirituelle brisée. Stérilité matérielle brisée. Stérilité financière brisée. Pendant que je prie, en claquant les mains, la stérilité doit être brisée. La stérilité doit être brisée. La stérilité doit être brisée. Ta façon de prier m'énerve. Prie en claquant les mains. Prie en claquant. Prie en claquant les mains. Prie en claquant. La stérilité doit être brisée. Elle doit être brisée. La stérilité doit être brisée. Elle doit être brisée. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Toute stérilité dans tes affaires doit être brisée. La stérilité matérielle. Personne ne t'a jamais rien donné. Pendant que tu pries en claquant les mains, que je vois la stérilité qui est dans le domaine financier dans ta vie, commence à briser. Commence à briser toute stérilité. Toute stérilité matérielle. On ne t'a jamais donné la voiture. On ne t'a jamais donné les vêtements. On ne t'a jamais donné la maison. On ne t'a jamais donné la. Pendant que tu pries en claquant les mains, la stérilité s'arrête. La stérilité t'arrête. Quel que soit ce qu'on t'a jamais donné, commence à déclarer les paroles. Et annule cela dans ta vie. Et annule cela dans ta vie. Et annule cela dans ta vie. Quelle que soit la stérilité, on ne t'a jamais rien donné. Dans ma vie. Prie église. Annule la stérilité, il y a un montant d'argent que jamais je vois dans ta vie, 1 million, Jésus, tu maintenant la stérilité, il n'a jamais eu de milliardaire dans ta famille, détruit maintenant. Au nom de Jésus, amen. Amen. Tu vas prier spécialement contre la stérilité spirituelle. Tout le monde ici dans cette église est censé avoir au moins un don spirituel. Ça là, je ne négocie pas ça. Le don de prophétie n'est pas réservé aux pasteurs, c'est réservé aux chrétiens. C'est le ministère prophétique que nous avons pour montrer le chemin. Mais le don prophétique qui est un don de révélation, un don de discernement, qui est un don de parole de connaissance ou de sagesse, vous devez l'avoir. Le don de miracle, c'est un don normal que tout chrétien doit avoir. Être capable d'entrer à l'ambassade avec les papiers incomplets, mais il ressort avec un visa. J'appelle ça le don de miracle. Être capable d'entrer dans une entreprise, mais il n'a pas de compte ou de relation, mais il ressort de là avec un contrat. Yes. J'appelle ça le don de miracle. Dis Père au nom de Jésus. Que la stérilité spirituelle soit brisée dans ma vie. Et que mon don se manifeste. Pendant que je prie. En claquant les mains. En claquant les mains. Pendant que je prie. En claquant les mains. Le don de stérilité spirituelle. Le don spirituel commence à descendre dans ma vie. Quelle que soit la stérilité spirituelle dans ma vie, je n'ai jamais manifesté la puissance. Je détruis cela dans ma vie. Je n'ai jamais opéré un miracle financier. Je n'ai jamais prié pour quelqu'un. Il y a Je détruis toute stérilité spirituelle dans ma vie. Oh Dieu, viens détruire la stérilité spirituelle dans le domaine évangélique. Je n'ai jamais prié quelqu'un. Je n'ai jamais prié pour quelqu'un. Je n'ai jamais prié la miracle. Pendant que tu pries en claquant les mains, annule maintenant la stérilité dans tes ministères, la stérilité dans tes affaires, la stérilité dans tes familles, la stérilité dans tes projets. Tu t'as donné que je vois Jésus assis. Tu es nul. Au nom de Jésus, amen. Amen. Dis Père au nom de Jésus. Père au nom de Jésus. Que la stérilité financière. Que la stérilité soit brisée dans ma vie. Soit brisée dans ma vie. Je déclare. L'argent devient mon serviteur. Pendant que je prie. En claquant les mains. Je brise la stérilité financière. L'argent devient mon serviteur.
pendant que je te prie, en claquant les mains, l'argent devient ton esclave. Jésus devient ton esclave. Dans tous les domaines, dans les projets, pendant que tu pries, la stérilité financière brisée. Fais-le ce soir. L'argent devient ton esclave. Fais-le ce soir. Pour ma vie. Ouvrez mes yeux. Pour que je vois Jésus assis sur son trône. Au nom de Jésus, amen. Au nom de Jésus. Dernière prière. La stérilité relationnelle. Je vais prêcher dessus dimanche. Mais tu veux d'abord prier par rapport à ça. Yes. Mon ami, tu ne peux rien devenir si quelqu'un ne te prend pas par la main. Il y a des gens ici, ce n'est pas les DG que tu n'as pas rencontrés, mais ils ne t'ont rien fait de bon. Ce n'est pas les grands que tu ne connais pas, mais ils ne t'apportent rien. Parce qu'en relation, tu es stérile. Lorsque tu es stérile en relation, tu peux connaître les colonels, mais ils ne t'aident pas. On peut prendre ton dossier pour te faire entrer à l'ENAM, on fait entrer les autres, mais toi, tu n'entres pas. J'ai une de mes filles à Yaoundé, elle est fille adoptive du chef de l'État. Église de Jésus. Église de Jésus. Avant d'arriver dans l'église, elle est la fille du chef de l'État, elle a été adoptée depuis qu'elle est bébé, depuis 2 ans. Elle vit au palais. On a pris son dossier l'année surpassée pour entrer à l'ENAM. Elle a échoué. Elle est arrivée à l'église. Elle est cycle B. Elle est arrivée à l'église. Maintenant, elle a pris cycle A. Elle a réussi. Hey. Donc, tu peux connaître les gens. J'ai vu des gens dans l'entourage de mon oncle, elle était ministre, souffrir alors qu'elle était ministre des Finances. Et c'est là que je m'étais né en 2006-2007. J'ai compris que tu peux marcher avec un milliardaire et toi tu es pauvre. Et c'est là que j'avais changé ma façon de prier. Donc je suis à côté d'un milliardaire et ma vie ne donne pas. J'ai dit c'est impossible. Hey. Dis Père au nom de Jésus. Père au nom de Jésus. Que la stérilité relationnelle. Que la stérilité relationnelle. Stérilité dans mes connexions. Stérilité dans mes connexions. Stérilité dans mes amitiés. Stérilité dans mes amitiés. Stérilité dans mes partenariats. Stérilité dans mes partenariats. Sois brisé. Sois brisé. Pendant que je prie. Pendant que je prie. En claquant les mains. En claquant les mains. En claquant les mains. Pendant que je prie. En claquant les mains. En claquant les mains. Hey 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 hey. Pendant que je prie, en claquant les mains, la stérilité dans mes relations, dans mes partenariats, elle est brisée maintenant. La stérilité dans mes amitiés est brisée maintenant. Fais-le encore dans ma vie. Je brise la stérilité. Je brise la stérilité. Ouvre mes yeux. Dans mes amitiés, dans mes relations. Je brise. Je vois. Je brise. Jésus. Je brise. Assis. Je brise. Sur son trône. Je brise la stérilité dans mes relations. Je brise au nom de Jésus. Au nom de Jésus, amen. Lève tes mains, je prie pour toi. Que le Dieu de toute grâce, par ce programme qui commence, vienne briser toute forme de stérilité dans ta vie. Amen. Je parle à quelqu'un. Yes. Tu n'arrives pas à concevoir. Tu n'arrives pas à concevoir physiquement. Je prophétise. Yes. Je prophétise. Yes. Avant la fin de cette année. Yes. Avant les 3 mois qui arrivent. Yes. Tu vas concevoir. Amen. Toute personne qui n'arrive pas à concevoir une entreprise, qui n'arrive pas à concevoir des projets, yes, qui n'arrive pas à concevoir le succès, yes, je dis qu'avant la fin de ce programme, yes, tu vas concevoir. Amen. Que l'esprit d'avortement dans les affaires, avortement des fiançailles, hey, avortement des relations, hey, avortement des promesses, soit brisé pendant ce programme. Amen. Soit brisé pendant ce programme. Amen. Je détruis la stérilité dans tous les domaines de ta vie. Amen. Et la gloire de Dieu t'accompagnera. Amen. La grâce de Dieu t'accompagnera. Amen. La puissance de Dieu t'accompagnera. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donne-moi un amen bien. Amen. Donne-moi encore un amen. Amen. Un dernier amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus bien ce soir?